La question que se posent tous les journalistes en ce moment, c'est de savoir si la dynamique de la campagne présidentielle, elle survit à la fin de la campagne présidentielle. Comme si, en fait, les Français ne s'intéressaient à la politique que pendant quelques journées spécifiques tous les 5 ans, et qu'elle reste du temps, ils étaient lobotomisés, hein, à ne lire que les sondages, regarder la télévision et s'occuper de leur misère au quotidien. Et bien non, vous faites la démonstration, vous, les insoumis, que vous êtes attachés au mouvement que vous avez construit. La campagne présidentielle pour Jean-Luc Mélenchon a été un combat ardu et magnifique pour l'accession au pouvoir de notre programme, mais il a été aussi un regroupement humain d'hommes et de femmes conscients qui ont travaillé un programme, qui l'ont adopté, qui l'ont défendu et qui aujourd'hui en sont pétris au point de mener ce combat, eh bien, jusqu'à la victoire, pour toujours. C'est ça qui est, je crois, le plus impressionnant. Et sans dévoiler, elle ne mentira pas, mais il y a une journaliste présente dans la salle, je ne dirai pas le nom de l'organe de presse, parce que sinon elle serait dénoncée, vu que l'autre n'est pas venu encore, n'est pas encore arrivé, donc je ne veux pas dénoncer, mais elle me disait que par rapport aux autres candidats ici au Mans et des autres forces, les candidates et les candidats insoumis ont une particularité, c'est qu'ils connaissent bien le programme. Non, je veux pas. Mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Évidemment qu'on connaît le programme. Ça fait des mois et des mois qu'on est sur le terrain à convaincre les Français de voter pour ce programme, pas pour un homme, pas pour ses beaux yeux verts. Oui, il a des beaux yeux verts, bien sûr. Il parle bien. Mais d'abord et avant tout, c'est une idée. Voilà, c'est une façon de faire peuple ensemble. C'est une façon de projeter la France vers un dynamisme économique dans lequel tout le monde peut, à la fin, s'y retrouver, hein, vivre dignement de son travail, et avoir l'idée que, finalement, la vie a un sens. La vie a un sens, c'est que nous pouvons vivre collectivement, en paix, avec un petit peu de bonheur, et puis voilà, sans faire de mal aux autres, et puis tout simplement en recevant ce que nous-mêmes on apporte aussi à la société. Voilà, tout simplement. Et ces choses-là, vous les avez intégrées, vous avez le programme L'Avenir en Commun, vous le connaissez très très bien. Et aujourd'hui, c'est ce qui donne la crédibilité à ces candidates et ces candidats qui ont parlé devant vous, là, Mathias, Barbara, Loïc, Pascal, Luc, Marie. On peut les applaudir encore une fois. Je vous remercie tous les cinq de porter nos couleurs, parce qu'il y a une sorte de facilité et de fainéantise de la presse nationale à considérer qu'il n'y aurait qu'un des troupeaux de supporters de Jean-Luc Mélenchon à la France Insoumise. Et bien non. Eh bien non, il y a aussi des petits Mélenchons dans chaque circonscription. Et des Mélenchonnes. Vous les avez vus, vous les avez entendus. Ce sont des gens du peuple. Hein. Quand on dit la force du peuple, c'est aussi ça. C'est le fait d'avoir des hommes et des femmes qui travaillent, qui ont des boulots comme tout le monde, qui font leur propre manger, qui font leur propre ménage, qui font leur propre course. Et qui, quand ils sont confrontés à des questions de projets de loi, de propositions de loi sur l'avenir des Français, peuvent savoir exactement de quoi il en retourne. Et je reviendrai sur ce point, parce qu'aujourd'hui, le Premier ministre ainsi que Muriel Pénicaud, la nouvelle ministre du Travail, ont annoncé le massacre à la tronçonneuse du Code du Travail. Donc je reviendrai sur ce point, parce que c'est quelque chose sur lequel il va falloir beaucoup insister d'ici à dimanche. La première chose que, néanmoins, avant d'aborder cette actuelle plante, je voulais vous dire, c'est que cette campagne présidentielle, je le disais, elle a porté énormément de fruits. Elle a son onde de choc et son onde de rayonnement est allée très très loin, évidemment. On a vu notre score, presque 20% des votants, 7 millions de voix, c'est énorme. Mais l'onde de rayonnement de cette campagne va encore au-delà. Et on le voit sur deux points. Je crois qu'il y a une bataille culturelle, deux grandes batailles culturelles que nous avons gagnées dans cette élection. Nous n'avons peut-être pas gagné la présidence de la République, mais nous avons gagné une majorité d'idées sur deux points qui sont centraux et sur lesquels nous pouvons nous féliciter du travail que nous avons fait. Les deux points sont les suivants. La première, c'est l'importance de l'écologie et le fait qu'il ne peut pas y avoir
de justice sociale indépendamment de la question de la préservation de l'écosystème qui est le seul qui permette la vie humaine. Voilà. Nous avons enfin tourné la page d'une dissociation classique qui existait dans le mouvement ouvrier dont nous faisons partie, dont nous sommes issus pour nombre d'entre nous, qui faisait la part des choses entre social et écologie en disant « il faut quand même qu'on puisse manger à la fin du mois, on s'occupera d'écologie après ». Bon, mais ça, aujourd'hui, on a tourné la page de cela. Et très très largement dans le pays, aujourd'hui, il est accepté cette idée, on accepte cette idée qu'il faut d'abord garantir la survie de notre espèce en préservant cet écosystème de tout ce qui l'agresse, et en particulier des gaz à effet de serre qui vont faire en sorte, par exemple, qu'actuellement, en Sibérie, le permafrost, qui est ce gel permanent en Sibérie, il fond. Et sous ce permafrost, vous avez du méthane. Et à partir du moment où le méthane se libère dans l'air, eh bien, l'air que nous respirons à l'échelle de la planète tout entière devient irrespirable pour nous, les êtres humains. Alors peut-être que pour les cafards, eux, ça ne les gêne pas. Mais nous, les êtres humains, ça nous gêne. Et à partir de là, comment dire, la question du SMIC, par exemple, c'est très important. Mais si on est mort, c'est tout de suite moins important. Vous voyez ? Bon. Avons gagné, et on l'a vu comment ? On l'a vu avec le coup de com' qu'a fait Emmanuel Macron par rapport à Trump, hein, le « Make the planet great again », ce discours en anglais qu'il a fait pour faire monsieur écologie, monsieur accord de Paris. Et ça, c'est à mettre directement à notre actif. Si nous n'avions pas exposé les arguments pour convaincre les Français de tous devenir écologistes, alors il n'y aurait pas eu, de la part du gouvernement, une tentative de se verdir, en quelque sorte. D'abord, Nicolas Hulot ne serait pas ministre, hein, parce que c'est quand même grâce à nous et aux majorités culturelles que nous construisons, qu'ensuite on retrouve des personnalités écologistes comme ça au gouvernement pour montrer qu'il y a une préoccupation sur ce sujet. Et effectivement, Emmanuel Macron n'aurait pas fait ce discours qui a été largement commenté par une presse devenue totalement béate d'admiration devant le président. Vraiment, hein, ils sont indécents quand même un peu. Hein. Ça devient impudique. Là, il y a eu l'élection chez les Français de l'étranger. Alors, 11 circonscriptions. Un peu bizarre quand même comme système où les autres votent avant et on donne les résultats avant. Hein. Bizarre. Bizarre. C'était pas comme ça en 2012. Ces circonscriptions ont été forgées par Sarkozy à une époque où il se disait que ça ferait 11 candidats de droite parce que les expats sont tous blindés, donc ça va faire pour moi et ça fera 11 candidatures, 11 députés fastoches. Finalement, ça n'a jamais été vraiment ça qui est arrivé. Et en définitive, mais effectivement, il y a 11 candidats, il y a 11 députés qui, au lieu d'être élus dans des circonscriptions qui regroupent une certaine quantité de Français, on va dire, raisonnable, hein, peut-être 150 000, 180 000, 200 000, 130 000, ça dépend des circonscriptions, là, vous avez des gens qui, au final, vont être élus avec 8 000 voix, 10 000 voix, rien du tout. Ce sont des océans et des océans d'abstention. Et là, donc, effectivement, le soir du premier tour, nouveauté, on donne les résultats à toute la France, et alors là la presse, là c'est l'orgasme. Là, ils en peuvent plus, là. Ils disent, ah, mais c'est le résultat promis, c'est sûr, le 11 juin, il va y avoir le même résultat que chez les Français de l'étranger, là, ils sont tout contents, ils en peuvent plus, et alors que non, pas du tout. Les Français de l'étranger n'ont jamais été représentatifs de ce qu'était le reste de la France, jamais. Et d'ailleurs, de toute façon, il faut quand même rappeler à ces personnes que bon, il y a une élection, quoi. C'est Mathias Tavel qui le disait tout à l'heure. Ils font semblant qu'il n'y a plus d'élection, que c'est déjà fait, en fait, en quelque sorte. Il n'y a plus qu'à rester chez soi et à observer à quel point le nouveau monarque présidentiel, le jeune roi, est magnifique. Alors que ce jeune roi, il est beaucoup dans la com, et que quand ces journalistes ont fini de commenter pendant des heures et des heures des poignées de main, ils sont infoutus de s'apercevoir que le nouvel écologiste reste sur sa position concernant le CETA, qui est l'accord de libre-échange
Union européenne, Canada, dont les dispositions sont violemment dangereuses pour l'environnement, notamment la mise en place d'un tribunal d'arbitrage qui donne le pouvoir aux investisseurs contre les démocraties et contre la justice étatique. Donc déjà, première contradiction, mais heureusement que nous sommes là pour la soulever, nous, parce que vous ne le verrez pas à 20h dans les commentaires des commentateurs. La même chose sur la sortie du nucléaire, le passage à 100% renouvelable, autant de choses qui sont dans le programme L'Avenir en Commun. Et quand on est sérieusement pour la protection de l'écosystème, évidemment que ce sont ces points-là que l'on met à l'ordre du jour, au-delà d'une belle phrase dite en anglais. Hein, il y a des actes. C'est comme l'amour. Il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Et bien, il n'y a pas d'écologie, il y a que des preuves d'écologie. Et Emmanuel Macron n'a pas fait ses preuves. Je rappelle quand même qu'Edouard Philippe, ça aussi, ça peut être commenté dans la presse, est un pantoufleur. Je ne sais pas si ce mot existe, un pantoufleur. Quelqu'un qui fait du pantouflage. Alors, le pantouflage. C'était une époque en France où il y avait un certain attachement à l'intérêt général, au service public, et puis on considérait que ces personnes qui avaient fait des brillantes études dans la haute administration, notamment à l'ENA, devaient consacrer leur vie au service public, et qu'une fois qu'on avait choisi cette voie, qui était la voie non lucrative, hein, parce que le service public, il n'est pas là pour faire gagner de l'argent à qui que ce soit, il est là pour rendre service public conformément à l'intérêt général. Eh bien, à une époque, on nous disait, mais non, tu ne peux pas ensuite prendre ton carnet d'adresse, tes compétences, ton savoir-faire de l'intérêt général du service public et aller le vendre cher dans le privé quand même. Tu ne peux pas faire ça. Donc on disait, le pantouflage, c'est mal. Alors maintenant, dans l'époque moderne où nous vivons, vous avez cette novlangue macroniste qui a tout bouleversé et ce pantouflage qui est profondément antidémocratique, peu éthique, qui met en danger la sauvegarde de l'intérêt général, c'est devenu « Ah mais nous, au moins, on a travaillé dans le privé. Ah non, mais nous, on a des candidats super ancrés sur le terrain, vu qu'on connaît le privé. Et toi, ben toi, t'es qu'un fonctionnaire, toi. Toi, c'est nul. Toi, tu ne connais rien de la vie. Rien. Ah ben non, parce que dans ton service public, évidemment, tu parles jamais à la clientèle. T'es jamais au courant de ce qu'il y a dans les dossiers. Tu connais rien, hein. Tu prends l'oseille comme ça. En plus, tu fous rien. En plus, t'es fonctionnaire, tu fous rien. Bon, alors, nous qui avons travaillé dans le privé, nous, on va t'expliquer comment ça se passe la vie. Voilà ce que vous entendez aujourd'hui à la télévision de tous ces laudateurs. De quoi ? Du pantouflage. Et alors, le premier d'entre eux, évidemment, c'est Emmanuel Macron, lui-même, qui est passé de la haute fonction publique, la très haute fonction publique, à la banque, Rothschild, qui donc pendant, rappelez-vous, pendant un an et demi, il a travaillé chez Rothschild, il a gagné énormément, énormément d'argent. Et après avoir fait valoir justement ses compétences et son carnet d'adresse administratif à la banque, il a fait l'inverse au retour. Il a fait valoir ses réseaux de la finance, ou ça, au cœur du système, à l'Élysée. Voilà, et de vous connaissez la suite de l'histoire. Donc pour eux, le pantouflage, c'est devenu vachement moderne et positif. Et d'ailleurs, le Premier ministre, lui aussi, est pantoufleur, et il a pantouflé, lui, chez Areva, voilà, dans le lobby du nucléaire. Et quand je dis le mot lobby, c'est à dessein, c'est-à-dire son job, lui, chez Areva, c'était pas ingénieur en train d'essayer de réfléchir à comment on peut, par exemple, sortir du nucléaire, ce qui est une question qui se pose aussi chez Areva. Je ne vais pas jeter le discrédit sur toutes les personnes qui travaillent chez Areva, mais lui, il travaillait au service des relations institutionnelles, donc son travail, c'était d'influencer les hommes politiques et les décideurs pour l'agenda pro-nucléaire français. C'est-à-dire, ça fait partie des gens dont le travail, c'est que si tel ou tel élu commence à être convaincu par des citoyens qui leur disent « mais il faut sortir du nucléaire », lui, il vient derrière et il dit « non, monsieur le député, hein, faut surtout pas écouter ces citoyens-là, parce que il faut défendre le nucléaire français avec tout ce qu'il entraîne de guerre en particulier ou de relations internationales très inégales, notamment avec les pays du Sahel. » Voilà pour le profil écologiste ou écologique d'Emmanuel Macron, qui n'est pas du tout à la hauteur des enjeux en matière écologique, mais néanmoins a su, pour l'instant, donner l'impression face à une presse docile qu'il écoutait cette majorité culturelle que nous les insoumis, nous avec Jean-Luc Mélenchon, avons créée dans la société française. Le deuxième point qui est mettre à notre actif, et là-dessus, vraiment, il faut que vous preniez conscience de la réussite
de la victoire que vous avez accomplie, c'est sur le terrain de la critique de la monarchie présidentielle et de la Ve République. Il n'est plus aujourd'hui envisageable qu'une personne souhaite se faire élire ou soit ou gouverne sans avoir sa dose de discours sur la modernisation de la démocratie. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin que la première chose que fait François Bayrou, c'est cette loi de moralisation. Ça aussi, c'est directement grâce à vous. Vous avez mené un combat dans la société, vous avez convaincu vos compatriotes que la monarchie présidentielle, ce n'était pas acceptable, que l'heure était venue pour la Ve République. Vous avez expliqué l'importance de cette assemblée constituante où nous, les Français, nous allons nous-mêmes élaborer de nouvelles règles. Et ce que ça donne, traduit en langue en marche, c'est loi de moralisation par Bayrou. Voilà. Alors, il y a des choses, évidemment, où il nous copie directement. Enfin, je dis des choses, je ne sais pas si vous utilisez pluriel. En tout cas, il y a une chose dans laquelle il nous copie, c'est sur la suppression de la Cour de justice de la République, qui est devenue très, très connue récemment, parce que c'est celle qui a relaxé Christine Lagarde, hein, parce qu'elle avait fait une petite maladresse, qui avait coûté des milliards et des milliards à nous, hein, c'est notre impôt, parce qu'elle avait accepté cet arbitrage frauduleux avec Bernard Tapie. Et donc, François Bayrou a dit « Ah non, ça n'est pas bien, car ce sont des parlementaires qui jugent d'autres politiques, donc il y a un entre-soi. » C'est vrai, monsieur Bayrou. Oui, il y a un entre-soi, et oui, ça manque de clarté, ça manque de transparence. Au passage, dans le tribunal de la CJR qui a relaxé Madame Lagarde, il y a notamment une sénatrice qui est actuellement membre du cabinet de l'Élysée, Emmanuel Macron, Brigitte Bardot-Zaccari. Je ferme cette parenthèse. Donc, il dit, Bayrou, consanguinité, ça va pas. Ok, très bien. Mais alors, mais encore. Eh ben, on va, dit-il, créer tout un arsenal de nouvelles règles qui concernent les députés. Moi, je vais donner les grandes lignes, mais en fait, c'est les députés eux-mêmes qui vont les écrire. Voilà. Vous dites, en fait, voilà, donc nous, on pense qu'il faudrait, par exemple, rembourser les indemnités de représentation sur facture. On pense qu'il faudrait qu'il y ait des différentes règles concernant l'embauche, par exemple, de personnes de la famille. Bon. Nous pensons qu'il pourrait y avoir tout ça, mais en définitive, les députés eux-mêmes vont eux-mêmes définir ces règles-là. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il dit « Nous allons inventer une nouvelle règle, c'est la règle du déport. » Alors, c'est quoi la règle du déport? C'est lorsqu'on est dans une délibération à propos d'un sujet où on est personnellement concerné, je prends un exemple, le médecin qui doit voter une loi en matière de santé. D'accord? Il dit, ben dans ce cas-là, puisque tu es potentiellement en conflit d'intérêt, tu te déportes. Voilà, tu dis, je ne vote pas. C'est la règle du déport. Mais cette règle du déport, évidemment, elle va être décidée par les députés eux-mêmes. Je vous parie qu'on n'en verra jamais la couleur. Pour des raisons très très simples, c'est que de toute façon, c'est pas praticable de dire à tous les profs, vous votez pas sur les matières d'éducation. Enfin, je veux dire, à un moment donné, où va-t-on, quoi? Bon. Mais surtout, ce qui est très très drôle, c'est que, eh bien, en ce qui concerne les règles sur les députés, est-ce que les députés se déportent? Ben oui. Ben oui. Moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, alors, vous avez un problème. Parce que si je suis d'accord avec le déport, mais ok, bah alors quand il s'agira de réguler l'éthique des hommes politiques, les hommes politiques se déportent. C'est normal. Alors là, j'ai toujours pas trouvé de réponse à cet argument, qui me semble quand même un bon argument, que j'ai soulevé, et que nous avions anticipé dans notre programme, bien entendu, parce que nous avons fait les choses sérieusement, et rappelez-vous, que nous avions toujours indiqué que les membres de l'Assemblée constituante pour la 6e République ne pouvaient pas être des membres qui ont été élus, des hommes et des femmes élus en 5e République. C'est une évidence. C'est une évidence que tu ne peux pas demander à un régime lui-même d'abord de s'auto-saborder
et deuxièmement à des personnes qui ont des intérêts particuliers d'ensuite eux-mêmes aller contre leurs intérêts. C'est de la sociologie des organisations, ça ne marche jamais comme ça. Donc la bataille pour cette assemblée constituante, elle reste à l'ordre du jour, et c'est le gouvernement lui-même qui l'a mise à l'ordre du jour. Parce que dans cette loi de moralisation, il est prévu trois niveaux de législation. De la loi ordinaire, de la loi organique et de la loi constitutionnelle. Parce que sur certains aspects, il faudra changer la constitution de leur aveu même, et en particulier sur cette suppression de la Cour de justice de la République. Donc la question, elle va se poser à un moment donné, de savoir qui modifie la constitution, dans quel cadre, avec quelle légitimité, avec quel but. Donc cette bataille pour la 6e République, et notamment pour l'Assemblée constituante, qui est la seule et unique façon sérieuse d'aborder la question de la 6e République, c'est pas derrière nous, les amis, c'est devant nous. Vous avez gagné la bataille culturelle contre la monarchie présidentielle, ça c'est fait, elle est totalement tombée sur piédestal, plus personne ne défend ce régime. La bataille pour l'Assemblée constituante, elle reste encore au devant de nous. Je pense qu'il y a une majorité, les gens, ils sont plutôt intéressés par cette mesure. Eh bien, il faut prendre le gouvernement à son propre piège. Puisqu'il a voulu jouer un peu les insoumis en parlant de révision constitutionnelle en matière éthique, on va lui expliquer ce que c'est que vraiment ce que ferait un peuple insoumis en matière constitutionnelle. Voilà. Et il faudra aussi dire, mais ça je pense qu'il vous reste encore quelques jours pour le dire autour de vous, c'est important, que certes, nous avions prévu de convoquer une assemblée constituante par la voie présidentielle. On a longtemps parlé de l'article 11 qui permet au président de la République de convoquer un référendum convocatoire de l'assemblée constituante, mais il y a aussi un plan B. Alors, on n'utilisait pas cet argument pendant la présidentielle parce qu'on était encore dans le plan A. Mais il y a un plan B. Vous avez aujourd'hui des mécanismes d'initiative citoyenne, alors qui sont évidemment difficiles à atteindre, hein, c'est fait pour, hein, ils sont pas, ceux qui ont fait ça, c'était pas pour non plus donner le pouvoir au peuple, hein, faut pas exagérer. Mais néanmoins, les mesures, elles existent, les mécanismes existent, et si vous avez 185 parlementaires et environ 4,5 millions de signatures, on a fait 7 millions de voix sur la 6e République, donc 4,5 millions, ça reste à notre portée. Si vous avez 185 parlementaires et 4,5 millions de signatures, vous pouvez forcer le Parlement à mettre à l'ordre du jour une loi référendaire pour convoquer une constituante. C'est encore possible. Donc nous allons continuer cette bataille, et elle passe par le fait d'élire le 11 et du 8 juin des candidats insoumis qui, eux, sont sérieusement engagés sur la question de l'éthique en politique, qui n'est pas un à côté de la politique. On a beaucoup dit, j'imagine ici beaucoup en Sarthe, plus qu'ailleurs peut-être, que les questions des affaires, ça avait pollué la présidentielle. Alors certes, on en a beaucoup parlé. Est-ce qu'on en a trop parlé? Je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Moi, je ne pense pas que l'éthique, ce soit un à côté de la politique. Moi, je pense que l'éthique, c'est même la base. C'est le début. C'est le début. Parce que la démocratie, elle implique un système où nous, le souverain, nous pouvons donner mandat à des gouvernants sur des programmes connus d'avance, délibérés dans des campagnes, sus de tous, et qui du coup, bah, quand ils y sont mis dans l'urne, ils donnent mandat au gouvernement. C'est ça en fait un vote. Tout simplement, c'est le souverain qui s'exprime sur un programme. Or, quand vous avez des candidates et des candidats qui se présentent à vos suffrages, mais qui en fait ont des comportements personnels qui n'ont rien à voir avec le programme qu'ils défendent, eh bien, vous n'êtes plus le souverain. C'est la démocratie elle-même qui est en faillite. Parce que vous avez donné votre part de souveraineté, au moins pour une période temporaire, à des personnes qui n'en sont pas dignes. Et qui n'ont pas la capacité personnelle de pouvoir porter les programmes que vous avez délibérés, sur lesquels vous vous êtes forgé. Nous ne savons pas. Nous ne sommes pas enquêteurs de police, nous ne sommes pas juges. De toute façon, pour décider de savoir si quelqu'un a fait quelque chose d'illégal ou pas, ça prend un peu de temps, il y a des procédures, etc. Ça, c'est le job de la justice. Mais il y a un certain nombre de faits qui ont été énoncés et qui ne sont pas contestés. Le fait que, quand il était directeur des mutuelles de Bretagne, il a, finalement, avec son épouse, organisé un très 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 bon coup immobilier. Voilà. Donc, ce sont des personnes qui, quand elles arrivent dans une banque, elles n'ont pas besoin de faire de hold-up, parce que tout ça est fait dans des vêtements très chics,
Et ils s'assoient et ils disent, j'ai besoin de 400 000 euros pour acheter un local. Et là, le banquier dit, bien sûr, madame. Bien sûr. Puisque vous avez déjà votre client qui a déjà dit oui pour la location du local, une mutuelle de Bretagne. Bon, bah donc l'affaire, elle est rondement menée. Et voilà, plouf, 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 l'oligarchie entre elles. Comme on dit, on ne prête qu'aux riches. Comme on dit, on ne prête qu'aux riches. Et alors là, nous, à côté de ça, on va pleurer parce qu'on a 10 euros de découvert. Des boîtes fermes parce qu'elles ont 500 ou 2000 euros de découvert. Et que la banque ne veut pas faire les facilités de caisse. Hein, je rappelle que dans le programme, il y avait aussi cette question du taux d'escompte à 0%. Rappelez-vous, c'était un peu technique, mais c'était cette idée que quand on est chef d'entreprise, petit artisan, petit commerçant, qu'on ne ferme pas la porte d'un savoir-faire ou d'un service qui est bien réel parce qu'il y a des difficultés de trésorerie, hein, c'est-à-dire un différentiel de temps entre le moment où l'argent rentre et l'argent y sort, tout simplement. Eh bien, les boîtes fermes pour 2000 euros de découvert, et dans certains milieux, on a super simplement 400 000 euros de prêt par une banque, comme ça, tac, avec des plus-values qui sont réalisées, etc. Alors, ils disent, mais c'est légal. Bon, d'abord, pour les aspects judiciaires, on verra bien. Heureusement que l'association Anticor était là pour un peu fouiller quand même, hein, parce qu'au départ, ils ont fermé le banc très très vite, en disant pas du tout, hein, le parquet national financier et le parquet de Brest, ça dit ça n'a rien à voir circuler. Bon, finalement, ils ont été obligés de dire, si quand même, on va regarder. Mais surtout, est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est moral ce monde-là, dans lequel c'est si simple pour les uns et si difficile pour les autres? Dans lequel l'accumulation de richesses oisives, parce que s'il y a bien un secteur dans lequel l'accumulation de richesses est oisive, c'est l'immobilier. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à attendre que ça prenne de la valeur. Et pendant ce temps-là, des centaines et des centaines, des milliers et des millions de Français vont être locataires toute la vie, par exemple. Ne transmettront pas de patrimoine à leurs enfants. Eh bien, eux, le patrimoine, il tombe comme ça, fastoche. Et alors, certains disaient, oui, mais c'est pas moral. Bien sûr que c'est pas moral. Mais par contre, cette morale-là, qui est leur morale, elle ne concerne pas que Richard Ferrand. C'est tout le gouvernement qui est à l'aune de cette morale-là. Et d'ailleurs, nous étions prévenus. Parce qu'Emmanuel Macron, au tout début de sa campagne, rappelez-vous, avait dit « Je rêve d'un pays où les jeunes rêvent d'être millionnaires ». Eh bien voilà, Richard Ferrand, il a anticipé. C'est le premier des macronistes. Eux, leur rêve, c'est d'être millionnaire. Eux, leur rêve, c'est d'être millionnaire. Et à côté de Dieu, les gens à côté d'eux, ils peuvent crever. Ils peuvent crever. Ils s'en fichent complètement. Voilà leur morale. Voilà leur morale. Et nous, notre morale, elle est très différente. Elle est très différente. Nous avons la morale de ceux qui ne arrivent pas totalement à être heureux dans l'océan de misère. Qui n'avons la préoccupation des autres. Et qui avons un sens très très aigu de l'éthique en politique et du service public et du service rendu à la nation à travers l'engagement politique. 94% de nos candidates et de nos candidats au niveau national ne sont pas des élus, ne sont pas des professionnels de la politique. Ils sont jeunes, ils ont 41 ans d'âge moyen. La plus jeune, elle a 18 ans. Regardez, t'avais 29 ans. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on en est fiers. C'est vraiment, vraiment, on en est fiers. Et au-delà de leur qualité personnelle, et dans le cas de Mathias, c'est vraiment, bon, il a plein de qualités, mais une, c'est qu'il est quand même beaucoup plus intelligent, hein, que la moyenne, et donc ça fait plaisir, hein. Il y en a là-dedans, et on se dit, ah, le mouvement, il est bien gardé, il a un avenir. Mais au-delà de ces qualités personnelles, il y a surtout des règles éthiques qui sont appliquées par ces candidates et ces candidats. La première règle éthique, c'est pas de zigzag dans le discours. Pas un jour je dis A, le lendemain je dis B, ou au Mans je dis A, et à Brest je dis B, etc. Pas de gloubi-boulga et de politique à l'applaudimètre. Pas de mensonge. Donc la règle, elle est claire. Tu es le candidat de l'avenir en commun. Voilà. C'est ça la première règle éthique. C'est de prendre les gens au sérieux, de parler à leur intelligence, de leur permettre d'être un citoyen, de leur permettre d'être le souverain. Parce qu'il va se forger une opinion autour de cet avenir en commun et il va mettre le bulletin dans l'urne pour une raison qui est une raison de programme. Voilà.
Et quand je me moquais tout à l'heure des autres candidats ici en Sarthe, qui ont, soit qui ne connaissent même pas leur programme, soit qui ont des programmes qui sont variables selon leur interlocuteur, ma moquerie n'est pas simplement contre des personnes qui n'auraient pas l'intelligence ou la culture de leur programme. C'est qu'ils prennent les citoyens pour des imbéciles. Et ce faisant, ils nient notre qualité de souverain. Pour eux, une élection, c'est un moment où vous leur donnez un certain pouvoir. C'est pas un moment où nous exerçons notre pouvoir de souverain en tant que citoyen. C'est une vision très différente de la politique. Et les candidates et candidats de la France insoumise, nous avons cette haute idée de l'engagement politique et des candidatures. Alors évidemment, on est allé plus loin en demandant, en exigeant même de nos candidats qu'ils signent cette charte anticorps, qui est très exigeante en matière éthique. Et puis, un autre engagement qui pour moi est le plus important, c'est l'acceptation du principe de sa propre révocabilité. Parce qu'on a dit, le droit de révoquer, c'est central pour garantir l'éthique en politique. Mais encore faut-il avoir des candidats qui acceptent d'être révocables, hein, parce que ça marche dans les deux sens. Eh bien, Mathias, Barbara, Loïc, Pascal, Luc, Marie, ils se présentent et ils ne vous disent pas « faites-moi aveuglément confiance ». Ils disent « faites-vous confiance ». Car si je ne fais pas l'affaire, vous pourrez me révoquer. Voilà l'engagement que l'on attend de la part de candidats aujourd'hui en 2017. Voilà l'éthique en politique. Alors, il y a un autre engagement qui aujourd'hui se rajoute, mais ça c'est l'actualité qui l'a un peu emmené, c'est tout simplement faire son travail. Alors vous me direz, mais c'est évident, non. Vu que le gouvernement a annoncé qu'il procéderait par ordonnance pour la réforme du Code du travail. La mise en place de lois sur le fondement du système des ordonnances implique que les députés habilitent l'exécutif pour ce faire. D'accord ? Ils ne peuvent pas le forcer contre une majorité à l'Assemblée. Donc il faut que les députés soient consentants pour se retirer leur propre pouvoir. Et donc là, je me dis, mais attendez, mais... Donc les candidats en marche, là, ils font campagne, sérieusement, hein, sans aucune honte, ils disent aux gens, votez pour moi, mais je vais pas faire mon travail. Ah non, je pense que l'exécutif, ils feront le travail mieux que moi. Mais par contre, je veux bien mes indemnités tous les mois, hein, ça y a pas de souci. Hein, les 5 000, 6 000, je sais pas combien ils sont aujourd'hui, les députés, plus les indemnités, les frais de représentation, ça je prends. Mais mon boulot, je le ferai pas. J'ai prévu, à la fin de l'été, de lever la main pour donner mon pouvoir, le pouvoir que vous, comme citoyen, vous allez me donner pour vous représenter, je vais le donner à l'exécutif. Voilà ce qu'ils font. Et ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte, vraiment. Ben si, c'est honteux. C'est ça qu'il faut dire aussi autour de nous. Comment on peut même imaginer de voter pour quelqu'un qui ne veut pas faire son travail? C'est comme embaucher quelqu'un qui ne veut pas travailler. C'est pareil. C'est la même chose. Et qui vous dit en plus, mais je veux le 13e mois. Et 12 semaines de congés payés. Voilà, donc ça c'est aussi l'éthique en politique. Nous, nos députés, France Insoumise, évidemment, ne donneront jamais à l'exécutif le pouvoir de procéder par ordonnance. Et encore moins s'agissant de ce massacre contre le Code du travail. Alors, là aussi, on est dans un problème démocratique. C'est que normalement, dans une élection, on doit pouvoir délibérer et choisir une politique. Mais encore faut-il savoir quels sont les projets des uns et des autres. Et là, vous avez un gouvernement qui se cache, qui est dans la fourberie. Alors évidemment, de temps en temps, les journalistes font leur travail. Et cette semaine, Le Parisien, aujourd'hui en France, a dévoilé les points les plus importants du projet gouvernemental sur le Code du travail. Et du coup, le Premier ministre a réagi, a fait une conférence de presse cet après-midi avec Muriel Pénicaud, la nouvelle ministre du Travail, dans laquelle ils ont dit, comment dire, c'est un jargon avec peu de mots qui signifient vraiment des choses. Mais quand on y regarde de plus près, il ne faut pas s'y tromper, les amis. Vraiment, ne vous y trompez pas. Car l'essentiel, quand même, est dit. Alors, j'ai pris quelques notes. Alors, ils disent... Pour rénover notre modèle social, nous avons deux préoccupations égales, ça rime en plus,
quasiment des verts. La détermination à agir. Nous avons, ça c'est la première préoccupation, nous avons la détermination à agir. Bon, ça ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont faire ce qu'ils veulent. Hein. Ça veut dire nous utiliserons pleinement les pouvoirs que nous octroie la monarchie présidentielle. Contre les parlementaires, contre le peuple, contre les syndicats, contre tout le monde. Voilà ce que ça veut dire. Nous avons la détermination à agir. Pour ceux qui n'ont pas bien compris et qui ont besoin de sous-titres, mais je sais qu'ici ce n'est pas le cas. Deuxième préoccupation, nous avons le respect de nos partenaires sociaux. Oui, bien sûr. Alors, pour faire quoi? Pour faire un projet qui a comme socle l'aggravation, qui était déjà commencée avant avec la loi El Khomri, de l'inversion de la hiérarchie des normes. Alors, vous connaissez la hiérarchie des normes, on en a beaucoup parlé. On en a parlé même il y a un an dans un meeting qu'on avait fait ici au Mans contre la loi El Khomri. Et vous savez, vous connaissez, je le rappelle pour ceux qui sont moins familiers avec cette notion, il y avait en France jadis une invention légale extraordinaire qui postulait que comme nous sommes dans une république indivisible dans laquelle la loi s'applique pour tous, la loi s'applique pour tous. Mais il n'est pas interdit, compte tenu des rapports de force syndicaux, d'obtenir mieux que la loi, notamment dans des conventions collectives. Des conventions collectives, le plus souvent, de branches, dans lesquelles les patrons, dans le fond, d'une même industrie, avaient un accord de non-agression en matière de conditions de travail. Ils disaient, bon, on va se faire la concurrence, nous sommes compétiteurs, mais on va faire une concurrence sur nos produits, sur notre savoir-faire, sur le génie que nous produisons dans le lieu de travail, mais pas sur les salaires, les conditions de travail, parce que sinon, ça veut dire que c'est que du moins 10 ans et on ne pourra pas développer notre activité. Donc, c'est une sorte de pacte de non-agression dans la branche. Et puis, il y a des branches qui étaient très lucratives, donc on a eu des droits sociaux supérieurs à la loi. Et la loi, ensuite, prévoit que dans un contrat de travail individuel, on peut encore améliorer le sort du travailleur, encore mieux que la convention collective. Ça, c'était la hiérarchie des normes. C'est-à-dire, dans ton contrat de travail, il peut de toute façon jamais avoir rien d'inférieur à la convention collective et encore moins à la loi. Alors, cette idée-là, elle a été remise en cause par la loi El Khomri avec un principe fondamental, c'est qu'en fait, les syndicats et leurs négociations, ça fait chier. C'est ça le message. Il vous explique que les conventions collectives, il faut pas qu'on les respecte. Ben donc, en fait, c'est purement et simplement antisyndical. Ça remet en cause l'activité essentielle du mouvement syndical, qui est de produire des normes par la négociation collective. Donc, à partir du moment où on imagine même que l'inversion de la hiérarchie des normes puisse avoir une légitimité quelconque, on est par définition hostile au mouvement syndical et à sa capacité de produire des normes et à générer un rapport de force qui soit plus avantageux pour les salariés. En plus, cette inversion de la hiérarchie des normes, en donnant aux salariés comme espace de négociation l'entreprise, est encore une fois un contournement du fait syndical, bien entendu. Parce que, surtout dans un pays comme le nôtre, où il y a 9 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs, qui peut penser une seule seconde qu'au niveau de l'entreprise, on a le rapport de force pour négocier quoi que ce soit? On est tous en panique sur la perte de notre job quand on ne l'a pas déjà perdu. On est en panique que nos enfants n'aient pas le boulot, que nos cousins, que nos voisins, que nos amis, que nos camarades. On est tous tétanisés par ça. On fait bonne mine, on lève la tête et puis on poursuit la vie. Mais merde, on est quand même tous la boule au ventre par rapport à cette situation. Et ces gens-là disent « Nous respectons nos partenaires sociaux ». Voilà. Énormément de dégâts. Tous les décrets ne sont pas encore totalement en place et on n'a pas encore ressenti l'effet de choc, l'onde de choc de la loi El Khomri, elle ne s'est pas encore fait ressentir partout. Mais c'est déjà dans le droit positif. Et notamment le droit de déroger au niveau de l'entreprise aux règles sur la durée du temps de travail. Ça, c'est déjà dans la loi El Khomri. Donc le fait, par exemple, qu'on puisse payer les heures sup moins qu'est-ce qu'elles sont payées aujourd'hui, c'est déjà dans la loi El Khomri. De fait, le temps de travail, il n'y a déjà plus de référence légale, en fait.
35 heures, ça y est, ça n'existe plus. Il n'y a plus. La seule référence qui existe, dans le fond, c'est la règle européenne des 48 heures. Voilà. Voilà le régime juridique dans lequel nous sommes aujourd'hui, compte tenu de la loi El Khomri. Donc, ce gouvernement, quand il dit aujourd'hui, nous allons élargir le domaine de la négociation collective au niveau de l'entreprise, ça veut dire qu'ils vont créer des nouvelles conversations sur des sujets où l'on pourra, au niveau de l'entreprise, déroger à la convention collective et à la loi. C'est ça que ça veut dire. Mais quels sont-ils, ces sujets? Eh bien, je vais vous le dire. Un, point numéro un, les salaires. Les salaires. Évidemment que c'est ça qu'ils ont en ligne de mire. C'est évident. D'abord, c'est une demande expresse du MEDEF, du patronat assurantiel, là, les très très grandes entreprises, du CAC 40, aussi de l'OCDE, qui considèrent, ou ne, peut-être non pas l'OCDE, je me trompais, certaines agences comme ça, qui font des analyses économiques et qui disent les Français gagnent trop, il faudrait, en fait, pour relancer l'économie en France, baisser les salaires de 30%. Voilà, ils font des notes, des rapports comme ça. Et alors, cette histoire de salaire, c'est horrible parce que leur négociation locale au niveau de l'entreprise, dont j'ai expliqué à l'instant les conditions extrêmement défavorables pour les salariés, elle va permettre de déroger d'abord à la convention collective où il y a les grilles de salaire. C'est pas seulement le SMIC, hein. C'est pas seulement les gens, c'est pas seulement baisser le SMIC ou ne pas respecter le SMIC. C'est les grilles de salaire dans les conventions collectives dont on pourra, qu'on pourra ne pas appliquer au niveau singulier de chaque entreprise. Donc en fait, ce qu'ils organisent là, c'est la baisse généralisée des salaires des Français. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce qui a été annoncé aujourd'hui. Voilà. Et vous avez des gens dans les salons dorés qui gagnent très très bien leur vie. Très très bien leur vie. Et qui, à mots feutrés, devant des journalistes qui ne font pas leur travail sérieusement de poser des bonnes questions, disent à une population qui gagne comme salaire médian 1 800 euros par mois, c'est-à-dire nous sommes 50% des Français à gagner moins de 1 800 euros par mois, et c'est déjà très difficile de vivre avec seulement moins 1 800 et moins, et bien ces gens qui, eux, gagnent très très bien leur vie, disent « vous gagnez trop ». Vous gagnez trop. Voilà. Voilà ce qui a été annoncé aujourd'hui. Et voilà ce qu'ils veulent faire. Ils veulent le faire pendant l'été, avec cette armée de députés godillots qui, sans honte, se présentent aux élections sous le label En Marche. Voilà. Et qui, eux, s'apprêtent à permettre au gouvernement de faire ça. Autre sujet sur lequel il sera permis de déroger au niveau de l'entreprise. Le contrat de travail. Ce que ça veut dire, là aussi, sous-titre, c'est que dans le contrat de travail, il y a un certain nombre d'articles, de provisions, et en particulier les modalités de licenciement. Alors là aussi, enjeu. Pourquoi ? À l'époque de la loi Macron 2, il y avait eu une proposition de contraindre les juges prud'homaux, tribunaux prud'hommes, à ne pas indemniser entièrement le préjudice en dommages intérêts aux salariés et de générer ce qu'on appelait le barème, le plafonnement des indemnités prud'homales. Vous vous souvenez de ce débat ? Ça a été retoqué par la justice. Il y avait deux versions, elles ont toutes les deux été retoquées. Pourquoi ? Parce que, pour une première raison, c'est qu'il y a un principe en droit français de réparation intégrale du préjudice. C'est-à-dire, si par votre faute, vous commettez un dommage à autrui, vous êtes obligé de réparer pleinement le dommage à cette personne et la mettre dans la situation que, comme si vous n'aviez pas commis cette faute. D'accord ? Principe de la réparation intégrale. Et si vous allez devant un juge et vous faites état et vous démontrez votre préjudice, ce juge vous condamnera l'auteur de la faute à 100% du dommage. Pas 50%, pas 40%, 100%. Principe de réparation intégrale. Ce qui fait que si votre préjudice, il est X, et que vous avez un barème qui dit « Ah ben non, mais dans ce contexte-là, on va réparer que 80%, eh bien, vous remettez en cause fondamentalement un principe de droit qui s'applique dans tous les domaines de la vie. Au quotidien, tout dommage, voilà, tout dommage de l'homme ayant causé à l'autre un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est arrivé à le réparer. Voilà. Donc ça, c'est la première raison juridique. La deuxième, qui est encore plus fondamentale, c'est le déni de justice. C'est le déni de justice. Parce que si, comme justiciable, vous arrivez devant un tribunal
et que le juge il dit bah je peux rien faire pour vous. Alors où vous allez? Donc la justice a déjà donné cette opinion sur cette affaire de barémisation en disant que ça peut pas être obligatoire parce que le juge doit pouvoir évaluer la situation et faire son travail. Voilà, vous pouvez pas procéder comme ça à un déni de justice. C'est la raison pour laquelle il y a déjà aujourd'hui un barème et il est indicatif. C'est un des tout derniers décrets qui a été pris sur le fondement de la loi El Khomri. D'accord ? Et ce gouvernement ne pourra pas aller plus loin que ça. Ils le promettent au patronat, qui, à mon avis, est au courant que ça ne peut pas aller plus loin. Certains, j'ai remarqué, un syndicat en particulier, ont fait un casus belli. Genre, ligne rouge, là, si tu passes cette ligne rouge, vraiment, c'est pas possible, mais cette ligne rouge ne sera pas franchie. Je vous le dis, parce que c'est pas possible. Donc, aujourd'hui, on a eu l'explication, enfin, entre le Parisien et aujourd'hui, on a l'explication de comment ils veulent contourner cela. Parce que l'enjeu, c'est lequel? L'enjeu, c'est le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc, la loi, elle dit, pour licencier, il faut une cause réelle et sérieuse. Si vous licenciez sans cause réelle et sérieuse, vous commettez une faute qui oblige à la réparation, blablabla, blablabla. Bon. Sauf que, on ne peut pas faire la barémisation. Mais, si je décide sur mon contrat de travail, que, en fait, la règle qui s'applique au licenciement, c'est pas cause réelle et sérieuse. C'est autre chose. Où je dis, par exemple, je fais une liste de plein de situations, où je dis, dans cette situation-là, ça c'est présumé être une cause réelle et sérieuse. Contractuellement. Donc j'ai contourné le problème. C'est-à-dire, il n'y a plus de loi. Il n'y a plus de cause réelle et sérieuse. Donc le juge, il ne peut même pas se fonder sur la loi pour prononcer des indemnisations. Puisque le contrat de travail, il dit, non, c'est l'autre loi qui s'applique, celle du contrat. Voilà, voilà ce que nous, nous les salariés, grâce à la démocratie au niveau de l'entreprise que nous octroie gentiment le monarque, nous avons le droit de conquérir pour nous-mêmes. C'est formidable, non? Là, on se sent avec des nouveaux droits. J'ai le droit de lever la main, pétrifier de peur face au chômage, pour me baisser mon salaire, et puis me mettre moi-même dans une situation de ne pas être indemnisée si je suis victime d'un licenciement abusif. Merci Macron. Alors, je vais vite dessus parce que ça fait longtemps que je parle, mais c'est des arguments, je pense que c'est important que vous les ayez, parce qu'on a en gros 3 ou 4 jours pour en parler autour de nous, C'est pas dans le journal que vous lirez toutes ces précisions. Alors, ils ont dit aussi que ils allaient s'en prendre au système de formation professionnelle. Sous-titre, tout l'argent qui va au mouvement syndical pour la formation pro, dégagé. D'accord ? Et c'est une grande partie du financement du mouvement syndical, on le sait. Donc déjà, ça aussi, ça c'est le respect de nos partenaires sociaux. Alors ensuite, ça avait été annoncé avant déjà. Les cotisations salariales, assurance maladie et assurance chômage, qui sont notre salaire différé, exitent au bénéfice d'une CSG qui sera payée par tout le monde, y compris vous les retraités qui ne serez plus jamais au chômage. Donc là, ça aussi, ça veut dire qu'il n'y a plus de sécurité sociale et d'UNEDIC paritaire gérée par les syndicats, on est d'accord. Puisque si on ne cotise pas à ces organismes, pourquoi même les maintenir sous cette forme? Mais ça doit être le respect de nos partenaires sociaux, ça. Et en plus de respecter nos partenaires sociaux, évidemment, ça nous appauvrit. Parce que l'augmentation de la CSG concernera au final quasiment tout le monde, et ceux qui s'y retrouveront, réellement, c'est les très hauts salaires. En fait, les cadres sup, eux, ils retrouveront leurs petits. Mais pour tous les autres, ne croyez pas une seule seconde que c'est dans notre intérêt. Voilà. Alors, face à tout cela, il y a quand même un commentaire à faire qui surplombe tout ça. C'est que pourquoi ils font tout ça, eux? Eux, ils disent que c'est pour générer de l'emploi. Donc, ils disent, on va changer les règles et passer d'un code du travail qui fait 2000 pages et 2 kilos à 1000 pages et 1 kilo, ça va créer des millions d'emplois. C'est ça leur argument. Au passage, le code de procédure pénale fait 3 kilos et 3000 pages, mais là, il n'y a jamais personne pour
hein, lui faire une cure d'amaigrissement, celui-là. Comme par hasard, en matière pénale, ce n'est pas un problème. Et dans le fond, ce que ça cache, tout cela, c'est un vide intersidéral en matière de programme de création d'emploi. C'est ça que ça cache. Ils n'ont rien à proposer, eux, pour générer des postes de travail. Et la vraie différence entre eux et nous, au-delà que nous serons toujours du côté de ceux qui travaillent pour défendre ces conquêtes sociales, défendre notre dignité d'hommes et de femmes au travail, c'est que nous avons des propositions pour générer des postes de travail. 3 millions de postes de travail dans l'avenir en commun. Entre la relocalisation de l'agriculture, la transition énergétique, toute l'économie de la mer. Nous l'avons pleinement et de façon très précise développée pendant la campagne présidentielle. Voilà comment on crée du travail. Pas avec ces espèces de mesures qui, en soi, ne génèrent pas de travail. C'est même l'inverse, je le disais tout à l'heure. Il y a énormément de secteurs en France, du service, petites entreprises, artisanat, qui reposent essentiellement sur la consommation nationale. Donc si vous baissez le niveau général des salaires, vous baissez le nombre de consommateurs. Et donc il y a des entreprises qui vont mettre la clé sous la porte. Donc ce programme-là, il intéresse qui? Il intéresse une petite, toute petite portion d'entreprises qui font de l'import-export ou qui boursicotent avec les grandes sommes qu'ils gèrent au quotidien parce qu'ils sont dans la finance, l'assurantielle, et ils ont un cash flow très important. C'est eux qui s'intéressent, mais les vrais gens, les vraies boîtes, ça ne nous intéresse pas, on a besoin de clientèle. Bon, ben voilà, ça va détruire le travail. Donc les amis, moi j'ai entendu dire aujourd'hui que peut-être que les syndicats allaient commencer à organiser des manifestations. Et bon, pourquoi pas? Ce serait bien. Mais moi je connais deux dates de manifestation à laquelle il faut que tout le monde vienne. Armé d'un bulletin de vote avec écrit « filles » dessus. Ces deux manifs, elles auront lieu, notez-le, dans votre bureau de vote, le 11 et le 18 juin. Bon vote à tous.